Bonjour à tous, je vous retrouve pour la review de ma Pulip RS noire. Donc je vais pas plus parler et donc c'est parti pour la review. Je vais tout de suite commencer par sa boîte. Donc comme c'est une RS, les boîtes sont dorées et se présentent comme ceci. Et vous n'avez pas de photo à l'arrière de la boîte. Le socle, il est tout simplement noir. Donc je commence par les accessoires et après je finirai par la dolle. Alors, vous avez sa carte, sa petite peluche, voilà, qui est trop choupinette, ses chaussures gothiques qui sont comme ceci, le bandeau avec deux petites... je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Petite décoration, je ne sais pas, sur le bandeau qui est à dentelle également. Et donc je vais passer à la poupée. Donc la RS noire, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà vous avez du plastique sur tout son corps. Et ensuite les RS, ce sont des poupées qui brillent. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une couche de Tamiya matte sur sa faceplate. Au niveau de la wig, elle est châtain clair, il y a une frange, les bouclettes sont comme ceci. Elle a une petite chaînette accrochée de sa bouche à son oreille gauche. Vous avez une robe noire à dentelle avec des rubans comme ceci. Voilà, le ruban il continue jusqu'ici et il dépasse en fait. Ensuite, sur sa robe, vous avez... Alors, faut que je pousse sa main. Voilà, ça. Voilà, une petite croix avec des strass dessus et une petite chaîne en fait. En dessous de sa robe, vous avez... Alors ça par contre, ça accroche à la robe. Un jupon blanc... Ensuite, elle a un collant à rési noir et des petites chaussettes noires. Au niveau du maquillage, il se présente comme ceci. Désolée, je tremble un petit peu. Voilà, vous avez du rose, du noir... La bouche, elle est bordeaux, rouge foncé vin. Au niveau des paupières, en fait, si vous voulez, les RS, je crois que toutes n'ont pas de couleur. Donc du coup, c'est à vous de faire vos propres paupières, sauf si vous ne voulez pas. Donc voilà comment, dans l'ensemble, ça se présente. Voilà, la review est terminée, j'espère que dans l'ensemble elle vous aura plu. Et désolée pour la luminosité, c'est vrai qu'à la caméra, ma RS noire, vous avez l'impression qu'elle a la peau foncée, enfin qu'elle n'est pas claire de peau. Alors qu'en fait si, je vous l'assure, c'est juste que bah c'est la luminosité qui fait que sa couleur de peau est pas forcément très blanche. On dirait que sa peau c'est la couleur des Obitsu naturelles, mais non. Donc voilà...